Allez, bonjour tout le monde, et ici c'est Landron pour le 53e épisode, et j'espère dernier, de mon let's play sur le jeu Mountain Blade Warband, saison 2. Alors, pourquoi je dis j'espère dernier? Parce que ça fait quand même un bon nombre d'épisodes qu'on joue. 53, c'est le plus long let's play que j'ai jamais fait, et ça commence à être très long, et j'aimerais pouvoir passer un peu à autre chose de temps en temps. Petit groupe d'ennemis repéré près de Dirim, et donc pour cela, il faudrait augmenter notre réputation. Et donc, bah, tout simplement, il faut tataner des gens. Voilà, faut tataner et on verra bien ce que ça va donner. Il faut vraiment que je me trouve des mecs qui a explosé. Gérer Visual. Le peuple est contre moi. Normalement, si j'ai mis une école, il devrait remonter. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il me faut de la réputation. Peut-être que si on allait tataner des bandits par là, ça serait cool. Ah, mais il faut que je passe à Dirim d'abord. Il faut que je passe à Dirim d'abord. Ah, hop, direction Dirim, parce que j'ai... 2-3 petits trucs à vendre. Non, c'est pas chiffre, c'est contrôle qu'il me faut. Toc. Voilà. Un peu plus de... à peu près 1200 deniers. Direction là-bas. 4000 deniers. Allez, c'est nickel. Cette thune est très bien. Voilà. Les unités sont prêtes à être promues. Eh bien, ça en fait du monde. Allez. 57. Renommée associée, c'est 4. Donc on est 36 contre 27, ça va aller. Il me faut de la baston. Donc des bastons contre des bandits, c'est plutôt pas mal. Bon, là par contre, il y a une colline, c'est très embêtant. Et un ravin. Apprends à conduire. On doute pas les gens par la droite. Je me suis un peu mis au beau milieu de tout ça. Allez! Voilà. On les explose bien comme il faut. Alors. Ok. Donc là je fais de l'XP, je fais de l'arme, mais c'est pas très compliqué comme genre de fight, donc bon. Voilà. On va y aller. En mode bourrin. Faut pas tomber dans le ravin par contre. Là pour remonter, je dis bonjour. Et qu'est-ce que vous descendez tous? Il y a plus intelligent quand même. Ah, ils descendent vraiment tous quoi. Non mais oh. Reviens là. C'est bon, c'est fini? Ah, j'ai eu un mort quand même. J'ai eu un mort et un blessé. Victoire! J'ai renommé augmenté de 2. Toc, 2 augmentations de niveau. C'est très bien. Chasseur d'esclaves. Ah oui, carrément. Encore. Il faut que je me batte,
Rhonald Dérodoc et Carrie Canat ont fait la paix. D'accord. Oula. Petit ramage. Que se passe-t-il? J'ai rien qui tourne derrière. Des bandits de montagne, 50-50. Si vous pourriez être deux. Jamish. Bon, 95 contre 50. Renommé associé de 3. Bon, c'est pas grave. Ça fait toujours un peu de thunes. Un peu de thunes, un peu d'XP facile. Si possible, suffisamment de points de renommée, même si j'en doute. Allez, le mec il m'a tracé. Allez! J'arrête pas de rebondir sur les armes. Ou les armures. Voilà, une fois que c'est lancé, la machine, elle s'arrête plus. Ok. Pour l'instant, ça va bien. Ils m'ont tué un lancier. Oula! Il y en a qui spawnent sous mes pieds, là, hein. C'est pas sympa. On arrête de spawner sous mes pieds. Oh. Attendez, vous savez quoi? YOLO mode. Je tape quand même plus fort comme ça. Même si j'ai pas une deuxième barre de vie. Voilà. Ça y est déjà? Oh bah ça a été vite fait. Renommée augmentée de 1. C'est que dalle une, il m'en faudrait plus. Il m'en faudrait plus. Ah là là. C'est que dalle. Limite. Oh oui! Par contre, je suis presque. Il me faudrait une grosse baston. Quelqu'un peut me filer une baston? Il me faudrait de. Une grosse baston histoire de gagner un peu d'XP. Et de changer de niveau. Je suis presque. Je suis presque au niveau suivant. Bon, ça va la. La colline? Ce manque total d'inertie des chevaux. C'est un même look équipé comme ça. Allez quand même. Attendez. Allez boum. Ah oh, d'accord, bon j'ai eu les deux. Allez, il me faut encore un peu d'XP. Où est mon cheval? Cheval. T'as fait quoi mon lézaliste là? Laissez-le moi. Oui! Level 28. Level 28, ce qui est quand même énorme. Ça fait quand même beaucoup. Allez, revenez là. Waouh, heureux.
Renommée augmentée de Hulk, je suis toujours à 99, mais peut-être que je pourrais mettre le dernier point de charisme qu'il me manque. Si c'est le cas, ça serait parfait. Parce que si je mets le dernier point de charisme, je gagne 5 unités d'un coup et je passe à 104. Je crois que j'ai plus de place bientôt. J'ai plus de place. Non! Il m'en faut encore. Non. Il m'en faut encore et... Oh, ça veut dire encore plus de niveau, encore plus de charisme. M'embête ça. Ça m'embête terriblement. Bon bah... Gestion des prisonniers, hein, ça va bien. Ah, il me faut encore un petit poil de renommée, je pense. Hein. 511. Je sais pas combien il me faut. On va aller voir si on peut pas vendre tout ce que j'ai, rançonner, tout ça. Y a rien, y a rien d'intéressant pour moi. Je crois qu'il va falloir que je m'achète à manger. Parce qu'on arrive un peu à court. Toc. Non, c'est inventaire. Ça va encore. Je crois qu'on a assez de nourriture pour tenir encore quelques jours. Bon, alors là, ça m'embête. Il me faudrait vraiment, vraiment que je monte encore un poil la répute. Parce que là, il n'y a rien. Il manque rien du tout. Bah, je suis à 100. Attendez. Il y avait bien marqué 99. Il y avait bien marqué 99. Qu'est-ce qui vient de se passer? Va falloir que je revoie la séquence parce que c'est très étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends point. Ah la vache, organisation de l'inventaire à 7. Eh ben dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh ben, je suis content, mais what? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'en sais foutre rien. Ok, bon ben voilà. On va aller, je sais pas, on va aller du côté de Veluca ou peut-être du côté d'Almar. Voilà, comme il n'y a rien de spécial, on n'est pas attaqué ni rien. On va aller tranquillement du côté d'Almar. Et pendant ce temps, je vais pouvoir ben, dire un peu là, comment ça va se passer cette fin de Let's Play. Parce que du coup, on est à la fin, c'est bien le dernier épisode, même si j'étais... Oula. J'étais pas forcément au courant que on avait les 100 là. C'est très étrange. Mais c'est pas grave, on est bien à la fin du Let's Play. On est bien à la fin du Let's Play. Oui, bon, ils veulent aller à Dirim, mais bon, voilà. Là là, il y a des changements de camp. Donc, bah voilà, le très long let's play sur Mountain Blade Warband saison 2 se termine. J'espère qu'il vous a plu, pour ceux qui ont réussi à tenir les 53 épisodes qui le composent. 53, c'est quand même long, hein. Moi, je me suis vraiment éclaté. Je pense faire une saison 3, mais un peu différente. C'est-à-dire que je crois que pour celle-là, parce que je m'en souviens tellement plus, ça fait tellement longtemps que j'ai tourné le premier épisode. Je crois que pour celle-là, j'avais tout recommencé à zéro. Pour la prochaine, on ne recommencera pas à zéro parce que voilà. Sinon, ça va faire des épisodes, enfin des séries bien trop longues. Parce que là, on est vraiment bien avancé et je suis très très content de moi. Ouh, mon Dieu, le royaume des Norks est tout en bas. Je suis très 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 content de moi. Et voilà, donc je voudrais reprendre cette partie sans doute dans une saison 3 ou avec d'autres objectifs encore plus durs, encore plus coriaces et de façon à conserver un peu ce perso qui est pas cheaté mais qui est. Qui est bien, voilà, ce personnage, cette partie, elle est très très bien, en fait, ça fait presque 300 heures de jeu, ou peut-être plus, je sais plus. Sachant que la renommée du personnage a quand même descendu. Je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien. C'est quoi, c'est statut PNJ, droit araignée, 15, avant c'était beaucoup moins. Et deux d'honneur, je sais pas d'où je sors mes deux d'honneur.
C'est où? Taille du groupe, moins 99. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ok. Bah, je sais pas. Je sais pas où on voit ça. Donc voilà. Je reprendrai cette partie sans doute pour une saison 3. En fait, c'est un ami qui m'a conseillé de faire ça. Je lui dis, ah ouais, pas con. Et effectivement, c'est vraiment pas idiot et je pense faire ça parce que c'est vraiment une bonne idée. Ça me permettra de faire des objectifs plus difficiles tout en conservant une bonne base. Parce que là, clairement, c'est une bonne base, hein. Il suffira d'éliminer ça. Bon, et peut-être le royaume ici, le royaume Saranide, et puis ça sera bon. Et il restera plus que deux royaumes qui vont se bouffer entre eux, et puis après on écrasera les derniers. Tout simplement. Tout simplement. Ah là là. Et ben moi j'étais très heureux de faire ce let's play. Oh, toutes ces caravanes. J'étais très très heureux de faire ce let's play. J'espère que vous l'avez bien apprécié vous aussi. Que dire d'autre, que dire d'autre? Bah, pas grand chose. Voilà, on est à la fin. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais en fait. Notamment les dernières parties, la réputation, tout ça qui était quand même très long et pas forcément le plus drôle à faire. Mais d'après ce que j'ai compris en farfouillant un peu sur le net, c'est le problème de Mount & Blade. C'est à la fin, c'est la chasse aux points de réputation. Parce que les points de commandement, on n'arrive plus à les mettre. Là, on le voit bien, hein. Je crois que c'est un tiers du charisme qui donne le maximum de sens de commandement. Donc voilà, il faut diviser 20 par 3, déjà pas pratique. Il faut encore que je mette un point pour atteindre les 7, du coup. Donc en fait, le sens du commandement, ça finit par être très très limitant. Donc après, ce qui reste comme possibilité, non, c'est dans le rapport, la taille du groupe, ce qui reste comme possibilité, c'est le charisme. Chaque point de charisme... Voilà, c'était ça pour ça que j'ai eu plus 1. C'est chaque point de charisme donne plus 1 en taille. Et après, il y a la renommée, c'est tous les 20 points de renommée, je crois. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est long. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est très très long. Donc je vais conserver cette partie pour une saison 3 si vraiment vous la voulez. Moi, je la veux. Après, à vous de me le dire. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à partager cette vidéo, partager ce let's play si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit de cette vidéo ou de la saison dans les commentaires. Que dire d'autre, que dire d'autre? Bah, pas grand chose. Et quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour un nouveau let's play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien!